Ok, donc bonjour à tous et bienvenue, je suis MDG de Normandie et aujourd'hui donc nous nous retrouvons sur encore une map, alors encore un peu spéciale, hein, c'est pas une map Chancréa. Pourquoi Chancréa? Soit. Donc je sens Chancréa visiblement. Bah ouais, je peux me mettre en créa. Bon, pourquoi pas. Alors, cette map, comment? C'est vulgairement comment? Il faut survivre à 30 vagues de zombies qui sont des défoulés. Il y a le fichier Ruinmi que j'ai pas lu d'ailleurs. En soi, non, c'est Alt V pour lire depuis. Donc soyez sûr que vous soyez pas en pissoule, d'accord. Je suis en normal normalement. On va se mettre en facile. Donc voilà. Donc le créateur de la map s'appelle le Spectral Eclipse. Voilà, avec l'aide donc de Revan de Spaniel, Dale Clark et King Ben, et désolé pour la prononciation. Donc ce château est l'un des grands rois, et une des maisons des grands rois, mais le roi est mort et sa magnifique demeure est tombé quoi dans disrepair, bon bref voilà quoi, c'est la merde comme d'habitude. La maison a été prise par le démon, les zombies ont pris le contrôle de cette maison. Vous devez détruire le démon et les zombies. Non, le démon roi des zombies quoi en fait, hein, c'est ça. Et remettre le roi sur son trône en gros, bonne chance. Cette comment la... Ok, alors c'est les vagues sont basées sur un système simple. Vous devez travailler, enfin vous devez passer à travers les 30 vagues de l'enfer. Des salles bonus seront débloquées pendant votre progression dans la dans le pendant votre progression dans le château. Elles sont signalées par, enfin elles sont indiquées par un son et un message. Quand vous avez fini toutes les vagues, head to the tomb. Ouais, bon, allez vers la tombe, en gros, à mon avis. Bon, j'ai traduit extrêmement sommairement, pas au mot par mot. Je suis pas un expert en anglais, mais je sais comprendre un minimum l'anglais. Difficulté, easy up, hard down, merci, on va rester en facile. Reset, press the first to reset the system. Ok. Juste une question, est-ce que je suis... Ah oui, je suis toujours en créatif par contre. Ok, et là je suis en aventure. Ok, et ça va être de la survie. On va... je couperai entre deux vagues. Quand on sera à 30 minutes, je couperai à la vague en fait. Qui suit
Juste un truc qui m'embête, c'est le mode survival. Et par contre, c'est pas malin de nous avoir mis en créative avant, parce que si je voulais... enfin, ouais, remarque, ça regarde que moi, hein, mais je pouvais me stuffer déjà une full armure en diams. Bon, voilà, jouer honnête, mais voilà, c'est pas malin de mettre les joueurs en créative dès le début. Ok, zombie 0 et hop. Ah oui, d'accord, ça c'est le nombre de waves. Ok, d'accord. Ah, il faut appuyer sur le bouton pour la vague suivante, c'est ça? Je crois que ça doit être ça. Ouais, next wave, ok. Bébé zombie. Bon, en soi, on va... Ok, donc là, on va... Comment? Hey! On va explorer un peu la maison avant de faire la prochaine vague. Ah d'accord, on a une salle d'enchantement ici, donc on va pouvoir enchanter. Ici on a des. Ouais, on a des pistons au sol. Oui, j'ai remis le pack Affinity HD. Alors pour le moment on va juste consommer de la viande de zombie, c'est juste pour la régène, je sais que ça va nous donner la faim, mais voilà, c'est parce que c'est une ressource illimitée de toute façon. Mais puis la bonne bouffe, on va être prudent. Kitchen, ok, ouais, mais j'ai pas de... J'ai pas d'interrupteur. Donc ça doit se débloquer. Donc on doit débloquer certaines pièces au fur et à mesure des vagues, je pense. Donc ici il y a la cuisine. Ici Dragon Room, c'est quoi? C'est un débarras. Drawing. Bonne question. Salon, peut-être, je sais pas. Drawing, ça me dit rien. Ah non, c'est une salle de jeu, visiblement. Ça ressemble à une espèce de billard ou un truc comme ça. Ou un casino, je sais pas. On va bien voir. Ok. Bon, donc deux salles. Ah, ici, il y a l'air d'y avoir encore quelque chose. Il y a encore quelque chose ici. Des enclumes, une table de crafting. Des sticks, merci beaucoup. Des toilettes, ok, sympa. Ok, là-haut, je vais voir s'il n'y a pas d'autres pièces que j'aurais ratées. Ah, ouais, si. Alors, juste histoire qu'on repère bien les endroits quand ils nous diront The Library. Ok, donc ça, c'est la bibliothèque. Et ça, je sais le prononcer. Library. Il y a le superbe balcon. C'est juste pour la régène, hein. C'est pas pour réellement me nourrir, je m'en fous. Bedroom. Et donc ici, c'est les chambres. Ok. Non, parce que je regardais ma barre de faim, je lisais pas le panneau. Là-bas, il y a encore apparemment une table d'enchantement. Ouais. Ok. Bah écoutez, on va attaquer la troisième vague. Attendez, c'est quoi ça? Holy Hand Grenade. Soin instantané. Ah bah d'accord. Bah, fallait me le dire que j'avais ça. Ouais, j'ai pas l'impression de régénérer beaucoup avec le... Ah, c'est quoi ça? Override.
Ok, utiliser en cas de d'urgence. Ok, d'accord. Ça, c'est pas malin de ma part. Les petits en priorité parce que c'est ce qu'il y a de plus. Je crois que je me suis coincé. Non, c'est bon. Hop. Ok, j'ai une épée en fer. Ah là, maintenant, ça va m'en rigoler. Allez, allez. Je ne sais absolument pas ce qui se passe si je meurs. Hein. Ok, il y a du fer. Ouais, évidemment. Je vous dis, je garde absolument ma bonne bouffe pour ce pour voilà. Oh non, on va la laisser comme ça pour le moment. Bon. Et Et donc ouais, donc et puis j'ai aucune salle qui s'est débloquée. Ok. Non, attendez, on va régène sur le long terme là parce que. Parce que sinon on va pas s'en sortir. Ah d'accord, et puis on a un arc aussi. Et ben on va utiliser un petit peu l'arc aussi quand même. Est-ce qu'on a un point? Hey! Attendez, je suis trop bas. Bon, j'ai récupéré mes flèches, mais. En soi, on pourrait faire ça. Oula, c'est quoi ce bang bang? Ma vie, elle a pris cher. Des escaliers comme ça. Tu fais du lap dance? Non. Instant régène. Ok, donc là c'est bon, on est régénéré, même si on a un petit peu encore d'effet de poison. Attendez, il me reste encore un petit peu d'XP à récupérer. J'attends juste que la fin se dissipe parce que pendant la fin. Ah si, je peux courir quand même pendant la fin. Ok, hop. C'est ça que j'attendais, c'était les petits, je voulais savoir où sont les trucs. Je me suis coincé. Et galère.
Bon, on a le keep avant. Oui, j'avais vérifié si on avait le keep inventory. Ok, et on revient là-bas dans le fond. Ok. Ok, bon, donc je sais pas si on a un compteur de mort ou... Bon, donc déjà le jeu n'est pas frustrant. Voilà, ça c'est un point important. Ce n'est pas frustrant. On est déjà à la vague 5? J'ai pas vu le temps passer moi. Bon, donc en soi, si on meurt, c'est pas grave. Donc on va pas vraiment faire de séance, on va juste enchaîner les niveaux. Ok, yeah. On a un cas une épée en fer. Ça va être dur de les encercler. Désolé si je vous file le tournis, hein, mais je pense que c'est la bonne stratégie à... Chef, ils nous ont encerclés. Ils sont combien? Ils sont un. Oh. D'accord. J'enchaîne, hein, rien à foutre. Juste... Ah, on m'a droppé quelque chose. Des oh oh. Ok. Eh oh. Mais pourquoi je peux pas te taper toi? Je peux pas le taper, je sais pas pourquoi. Ok, 22 niveaux. Ok, donc ça sent quand même le piège à con là-bas. Hein. Si les zombies prennent à mon avis l'espace là-bas, ça va piquer. Hein. Bien, on réatterrit au chiottes, c'est cool. Bon. Ouais. En soi, je sais pas si cette map est réellement intéressante, hein. En tout cas, j'ai plus d'épée en fer. Moi qui comptais l'enchanter, ben, c'est un peu foutu. Je peux en refaire une, hein. J'ai un lingot de fer qui est tombé. Non, ça c'est plus un stuff que j'aimerais me faire. Pour mieux résister aux attaques. Ok, lui il est invincible. Normal. J'ai un zombie invincible là. À l'aide, au secours. Why? Pourquoi? Je demande remboursement.
Bon. Parce que j'ai pas encore une salle qui s'est ouverte. Non. En face. Non plus. Bon. Ok, je sais pas si vous avez vu à droite, mais en fait il y a mon nombre de morts et le nombre de tués. Donc bon, bah, pour le moment j'ai un ratio supérieur à 1, je m'en fous. J'ai également lâché mon épée, enfin lâché. J'utilise plus mon épée qui est abîmée parce que... Ah d'accord, c'est la table d'enchantement qui m'est venue. Bon, je suis bientôt mort, mais bon. J'ai vu qu'il y avait un zombie en bas. Bon, ça va, avec les escaliers, on arrive à les... à les semer un petit peu. Oula. Si au bout d'un moment il y a un zombie qui se ramène avec speed, je pète un câble. Ça on est d'accord. Attendez. Eh, oh. Hop. L'arc, de toute façon on s'en sert. En soi l'arc on peut s'en servir là maintenant. Faudrait-il que je sache tirer à l'arc? Eh ben, c'est pas mal! Hop! Qu'est-ce que tu fous là, toi? Ah, il en restait. Ouais, c'est vrai que moi, je me ramène comme ça. Salut! Bon. 27 niveaux. Un casque. Ouais, pas intéressant le casque. Ouais, quoi que le mien est de toute façon bientôt mort, donc autant en avoir un de rechange, même si c'est pas terrible. Bon, allez, YOLO. On se dirige vers l'escalier. Hein. C'est là que... C'est là qu'à la limite on peut faire le plus de morts un peu plus safe. Là c'est vague et au moins j'ai aucun obstacle. Et au bout d'un moment je vais péter un câble et comment? Parce qu'il y a... il y a les pitons qui vont s'activer, ça va faire des labyrinthes, ça va faire des trucs comme ça. Je le sens bien le truc. Parce que vu comment c'est positionné, les pitons, je suis sûr que ça va se lever ou une connerie genre. Ça va, j'arrive à gérer là. Bon. Ok, je suis level 30, on va aller enchanter l'épée que j'ai, même si elle va pas tenir longtemps. On va bien voir ce qu'on a.
Ah oui, évidemment. Et puis je peux pas casser la bibliothèque. Ouais, elle est. Oui, c'est une épée level 1. Tant pis. On va l'enchanter le maximum qu'on peut. Solidité 1, ouais. Ah, j'ai une autre épée. On va peut-être pouvoir les fusionner comme ça. Tranchant 1, ok. On va. Bon, la solidité 1, on va la garder de côté. Quand la tranchant 1 sera un peu plus abîmée, on va les fusionner. On va procéder comme ça. Et j'ai vu qu'il y avait comment une table d'enchantement un peu plus high level en haut. Un mur upgrade, ok. Je verrai ça à la fin de cette vague là parce que là c'est sympa mais je suis un petit peu occupé. Ah d'accord, c'est un futal, ok, je l'ai suivi dans mon inventaire. Ok. De toute façon après cette vague là je devrais faire une petite pause après cette vague là, hein. Excusez-moi mais. Entre deux. J'en profiterai pour déjà comment m'occuper des premiers rangs du frappe. Donc pour le moment 166 tués, 5 morts. 6. J'ai pas fait attention à ma vie. Alors est-ce que j'ai autre chose? Ouais, j'ai l'armure. C'était quoi celle-là? En maille, celle-là je suis en plastron. Ok, et ben on est déjà un peu mieux équipé. Peu de zombies qui restent. Voilà. Bon, excusez-moi, donc petite ellipse et puis on se retrouve tout de suite. Attendez, je récupère juste les items. Voilà. Et je vous dis, hop, là il reste encore un petit peu d'XP. Oups. Et de toute façon, je vous dis à tout de suite pour la prochaine vague. Ok, donc voilà pour la fin de cette petite ellipse. Finalement, j'ai pas fait les rendus de frappe, j'en avais pour moins longtemps que prévu. Et ben voilà. Donc là, ce coup-ci, on a une tranchant 1. Pour casser la tronche à ces enfoirés. On va déjà faire un premier petit tour. Donc Zombie Arena ou le manège enchanté. Parce qu'on passe notre vie à tourner. Ouh là, d'accord, il y a plus de zombies en bas. Commence à faire beaucoup de zombies là. J'étais bloqué. Ok, donc voilà. Bon, c'est pas. Le gameplay est pas forcément intéressant, mais c'est de la survie, voilà. On pouvait me reprocher de ne pas faire beaucoup de survie, bah là maintenant c'est fait. Hein. Ok, je me suis pris deux bifles là. Ah mon dieu, des cosplayers free hug. Bon, excusez-moi. Je sais pas pourquoi j'ai pensé à ça. Non, puis je déconne sur les cosplayers free hug. Continuez, moi quand vous êtes une jolie fille avec une pancarte free hug, je suis le premier à y aller.
c'est pas moi qui vais m'en plaindre. Bon. 26 niveaux. Et ben en soi, ce qu'on peut faire éventuellement, tant qu'on a des niveaux, une protection 1 et solidité 2. Bon. Ouais, solidité, ouais, ça va faire qu'on va garder le futal plus longtemps, mais. Ah, on a encore une épée en fer, on va peut-être essayer de la. Châtiment 1. Et ouais, j'ai vu que ma tranchant avait pris cher pendant cette vague, donc on va fusionner. Alors, comment on va appeler cette épée? Il me faut 9. Ok, bon, on va. Ah, et puis aura de feu sur celle-là. Ok, bah on répond.